Y a un truc que j'avais pas lu. Le mec qui dort là. Je sais pas si on peut piquer des informations. Ah non. Ah, j'avais pas vu. On va aller rendre le. Voilà, ça là. C'était une des quêtes. On a aidé déjà plein de gens. Ah ouais, c'était possible. Dites pas à mon père que je ne travaille pas sur la musique. Disons que ma concentration a juste glissé, quoi. J'essaye de jouer une mélodie sur le piano derrière moi. Mais mon inspiration ne sort pas. Peut-être que tu pourrais faire mieux. Enfin, peut-être que je peux être doux, a better rendition of it. Ouais, peut-être. Toutes ces vieilles chronises. C'est quoi, c'est les notes? Enfin, les touches. Sur les murs. Une rumeur dit. Ah, moi, c'est une musique qui est heavy lifting. D'accord. Que Norwood, en fait, serait plus un businessman qu'un musico, quoi. Ok, bah, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Tiens. Attends, c'est à elle que je vais donner? Je crois. Hop. Ça lagouille? Ah bon? C'est quoi qui lagouille le jeu? Moi ça lague pas. Moi ça lague pas hein. Donc confirmement. Alors. Je vais attendre voir la musique. Ça lague? C'est un problème de. Attendez, de capture. C'est un problème de capture. Ma voix elle lag pas. C'est pas de problème pour entendre ma voix. Mais le son du jeu il déconne aussi. Expérimental cette musique. Label, ils auraient écrit le label leur route de suite. Mais ils savent pas si ça vient d'ici. Ah, une autre copie? Ok. Ok, bon, on va aller chercher. Ça rame toujours pour vous là? Ou pas? Dites-moi. Sa voiture, c'est celle que j'ai pas pu ouvrir, je crois. Genre celle-là. Un masque.
Un masque. Du coup, j'ai tout pour me déguiser là? Ah, je pensais qu'il allait manquer plutôt le monocle. Est-ce que c'était ici le passage secret pour... Ah, peut-être pas. Ah, mais le nombre de gens a augmenté là. Pour la queue. Mais ça, je vais peut-être le donner à... aux autres là. Attendez. Il y a des artistes en fait, je vais peut-être leur donner le l'album. Attends, c'était où les artistes? Ils sont à l'entrée. Ah, t'es qui toi? Ah, mais elle a une perruque! Parce que je veux la perruque qu'elle a là. Mes étudiants. Sont partis, are long gone at this point. Ouais, ils sont partis depuis un certain temps. Ouais, je suis sûr qu'ils sont allés voir cette espèce de fête qui se passe en bas dans la cave. Ils sont en train de faire la queue. Ils sont très prometteurs, mais ils sont facilement faciles à distraire. C'est leur manager, je suppose. Je l'avais pas rencontré encore. Alors. Je suis à l'étage. Ok, elle est partie. Ah oui, donc c'était la prof de tout à l'heure, bah, sauf qu'elle avait une perruque en fait. Ça fait bizarre. Je viens de comprendre. C'était la prof de tout à l'heure. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est ce que je pense? Je vais vous le prendre de vos mains et en apprendre plus dessus. Étranger, tu sembles assez cool. Pourquoi tu viendrais pas faire la fête dans notre chambre 211? Hey, la fête en 211! Ok. Donc la pièce, la chambre 211 est ouverte maintenant. 209. 210. Bah elle est où la 211? C'est caché. Ah oui, non, je crois qu'il y a un couloir. Ah bah il y a le couloir. Il y a un couloir là. Voilà, 211. What? What the fuck? Ce jeu il m'impressionne. Hein. À chaque fois je suis surpris par ce que je découvre. C'est fini. Oh. D'accord. Alors, Sandro.
S'il te plaît, arrête de faire n'importe quoi avec le vieux système de son de Norwood. Nos invités, arrête pas de se plaindre. N'arrête pas de se plaindre que. Depuis que Clem a insisté pour essayer de le faire fonctionner. Oh, je suis like surprise. Je sais que tu aimes bien les prix. J'ai laissé une récompense. Enfin, j'ai une récompense spéciale pour ton prochain mix. Next to the mixer. Non, je l'ai laissé près du mixer. Pour y accéder, tu vas devoir mixer la musique au level que je préfère. Ah bah c'était ça. Sûrement. Merci, Nadia. Ah bah oui, bah Nadia... Ok. C'était lui, Sandro? On peut pas lui parler. Ah, il y a la clé. Basement Blue Door. Ah bah voilà. Je vais laisser danser. Alors... c'est Basement Blue Door. Ça me dit rien, mais j'ai une idée de quelle porte c'est. C'est pareil, hein, c'est un labyrinthe, hein, l'endroit. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, donc du coup, tu sais plus trop où on est. Oh, c'est une discussion intéressante. C'est rigolo de voir des personnages que tu as vu tout à l'heure discuter avec d'autres. Ah, ouais. Y a un raccourci, si je passe par là. Ça serait ici? Ouais, ça va être ici. La porte bleue. Ah, quoi là? Ah. Ah, il faut que j'arrive, je change le nom. Excusez-moi. J'ai laissé rétro. Salut Nyark, comment ça? C'est quoi ce jeu? Alors, c'est. Tu dis exactement. The Norwood Suite. Hop. Change le. La catégorie. C'est une banane? Ok. Ah, je peux pas? Ah, si. On peut y aller en fond de banane. Ça va manger? J'étais pas fou. Raccourci? Non, c'est pas Sweet Home. Non, c'est pas Sweet Home. Dernière fois que je change aussi le titre. C'est Norwood. Ouais, je viens de finir Sweet Home en fait. Je viens de le finir. Hop. Du coup, à quoi ça m'a servi à part le raccourci, hein? Pas grand chose. Peut-être demander faire une réclamation là pour le spa. Ah, parce que là, si on regarde ça. Ah si, j'ai le necklace. Donc j'ai ça. Ah, j'avais pas vu qu'il portait ça en fait. Donc j'ai le visage. Il me manque le monocle, je pense. Pour être comme lui. Alors, faites-moi voir ça. J'en ai pas vu depuis des années de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ce vieux coupon?
C'est vraiment dommage que Nadia a laissé partir la masseuse il y a 5 ans. Ah non, c'était un masseur, pardon. Le masseur a été viré il y a 5 ans. Pourquoi tu les vires? J'aimais bien comment il travaillait le bas de mes lombaires. Sandro, si c'est ce que tu, si c'est ce que tu signifies. Voilà. Ah bah super. Allez, désolé pour le massage. Ok, bon bah j'ai la clé. J'ai la clé du locker 29. Alors. C'est près de la piscine. Alors, 29. Est-ce que c'est là, non? 29. Allez, le monocle! Yes! Ah, rigolo. Du coup, j'ai tout. Et du coup, on peut aller à la partie. Go to the party. Ah, bah, il y a une nouvelle personne dans la piscine. C'est qui est dans la piscine? Ça, c'est le mec qu'on a aidé. Ah, je le connais pas, lui. Il est juste en train de parler. Dev 7, hop. Ah, ils veulent piéger Dave. Il y a Snake Plissken quand même. Oh, ouais, c'est ce qu'il était. Ok. Eh ben écoutez, on a tout pour aller à la fête enfin. Ouais, tu sais, Roto, je crois que c'est pas très important dans ce jeu. Je crois que c'est pas ça qui compte. C'est pas la technique. Attends, mais ça bouge là? Ça bougeait pas, non, enfin? Qu'est-ce qui se passe? C'est vivant! Il y a de la bière partout par terre. Alors. Où c'est que c'est? Où c'est que c'est? C'était pas par ici? Ah non, faut que je revienne. Non. Faut que je revienne par là. J'ai tout pour rentrer. Ah non, faut que je me déguise avant. Peut-être que je me déguise avant. En parlant au concierge. On va parler au concierge. Ça, c'est quoi cette porte? Ok. Parce que je voyais que c'était pas chargé. Alors, le concierge. Alors. Vous devez trouver comment les mettre ensemble. Comment les mettre ensemble? Comment ça, comment les mettre ensemble? Bah, je peux pas m'habiller. Je vais dans les objets trouvés là et je m'habille. Ah, je sais. Peut-être. Je sais peut-être. Je suis pas sûr. Donc, il m'a dit de regarder les moniteurs en 204.
pas sûr que ça. C'était ici. Ça marche en plus, il y a Swoopy. Est-ce qu'il faut que je revienne là où il y avait le mannequin squelette en fait? Peut-être. Oui, c'est normal que tu le trouves chelou. Alors je pense qu'il faut que je déguise le mannequin en fait. Enfin le squelette, et après je le porte sur moi. Mais je sais plus du tout où il est. Alors je sais plus si c'est là justement. Ah, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. C'est un des raccourcis, il faut que je longe les murs. C'est un des raccourcis, mais je sais plus où il est. Ah! Il a bougé. Alors lui par contre il est glauque. Hein. Regardez ça. Moi il me fait flipper lui. Je suis désolé, il me fait flipper. Donc s'il est parti, il est plus dans sa chambre. Ah c'est évolué. Non c'est pas sûr. Hein. C'est pas ça qu'on fait. Hein. C'est le raccourci avec le piano. C'est le raccourci avec le piano. Attendez. Le piano. Le piano. Je sais pas où je vais. C'est sûr que c'est le raccourci avec le piano. Qui est. Je suis passé là devant. Je vais peut-être continuer. Bah non. Bah non. Je sais plus, au secours. Sinon c'est à l'étage. En fait, il faut que je retrouve l'endroit où il y a le compère de Norwood, l'ami de Norwood, qui a un squelette qu'on peut habiller. Est-ce que ce serait pas plutôt dans ces chambres-là, par ici? C'est pas là de son ongle. Ah, il y avait la 200... C'est la 216 qui était ouverte? Elle est fermée maintenant. Apparemment, ça dort derrière. Ah! Je l'ai pas vue, elle. Ah, elle est dans la grange. Attends. Je sais pas où elle est, elle. C'était dans l'échelle 300. Ah bah ouais, c'est ici. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut interagir. Voilà. Vous voyez le délire? Hop. Pourquoi j'ai repris le necklace, non? Ah oui, je l'ai pas pris. Chapeau. Le pantalon. Chaussures, la veste et la barbe. Hop là. Ah, il est disparu. Et voilà, je suis devenu Monsieur Norwood. Ah merde, je peux plus faire ça.
bah c'est parti. Prenons le souterrain. Ah, et plus souterrain. Ah merde. Comment je quitte les lieux, moi? Bah, je veux aller à la party. To the party. Je prends le tunnel. Ah. Est-ce que vous avez vu Peter à Norwood? Non, ça c'est une nouvelle salle, ça. Que je connaissais pas. Oh merde. La flic. Enfin, la meuf de sécurité. On va y parler. Alors. After hour work variance permission. Valide pour this moment in time, donc pour ce moment actuel. Alors, no outfit has made possible with assistance from New Game Center Incubator. And score for play test. Thanks, go out to. Ah, j'ai fini le jeu. Je suis pas sûr. J'ai fini le jeu. C'est juste que je peux accéder à tous les étages. Bon, ouais, écoutez, on va avancer. J'ai pas trop compris. J'ai peut-être pas découvert tous les secrets. Donc, Elle était là au début. Comment qu'elle se passe? Comment j'y descends? Je crois que je peux y descendre par là. Hop. Ah, raté. Ça, je crois. Ah, j'ai pas vu. Il y a des raccourcis dans tous les sens. L'hôtel est tellement compliqué. Go to the party. Ah merde. Faut que j'aille voir quand même le concierge pour qu'il me donne un truc. Il dit que mon costume il est décent, mais que le concierge a quelque chose à me donner. Ok. Alors ça. Eh bien, étranger, je suis impressionné par ton costume. Je dirais... Enfin, normalement, tu devrais pouvoir... Enfin, je dirais que tu pourrais faire tourner quelques têtes en portant ça. Mais... en considérant l'heure tardive... tu devrais plutôt... porter, enfin, faudrait que les gens te voient encore plus de manière brutale que maintenant. Ok. Ah, du coup, je mets le CD, c'est ça? Je lui donne au DJ. Ok, et tout le monde va pouvoir me voir, quoi. Thank you.
Mon système de sécurité me dit que vous avez tué aller dans des endroits que tu n'aurais pas dû. Hein. Ok. Bon bah écoutez, on va aller donner le disque. Pour que tout le monde nous voit. On va rentrer. Ah! Il est disparu le mec. Attends, mais ça veut dire qu'il peut se... il peut marcher? Il est allé à la fête? Il est où? Je peux passer! Ah, enfin! Ah, il y a une sauvegarde quand même. Enfin, on va à la fête. Depuis le début du jeu, on parle de la fête. Pas derrière les gardes de sécurité là. On va aller saboter son... la musique. J'ai pris une droite. Fallait pas faire ça. Nadia. Ah oui, DJ Bogard. Mais qui est-ce? Aucune idée, DJ Bogard. Doty? Qui est? C'est quoi? C'est notre invité du soir. Il s'est enregistré il y a peu de temps dans la nuit. Tu ne ressembles pas du tout à un invité pour moi. Même si j'aime bien ton costume étranger, tu as ruiné ma fête. Pourquoi vous laissez entrer des fouteurs de troubles comme ça dans l'hôtel de Tim? Il avait un bon pour une nuit. Mais ce soir il n'y avait pas de place de Tim. Tu le sais. Mais je sais que tu laisses toujours quelques chambres disponibles. Pour... Hey, rappelle-toi qui tu parles, qui c'est qui paye, qui c'est qui te donne ta paye. Vous allez vraiment me soustraire ça de ma paye? Le contrat que tu as signé te lie en fait, enfin lie ton salaire à tes performances. Et en plus, je peux te prendre 50 $ à chaque fois que tu fais n'importe quoi. Et je pense que on est dans cette situation, Doty. Tu me laisses pas le choix. C'est dégueulasse. Un morceau de papier à la con que j'ai signé il y a 15 ans. Et elle arrête pas d'en faire référence. Elle en fait toujours référence, quoi. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Je suis d'accord. Heureusement que... heureusement que... nous avons eu notre arrangement juste en se serrant la main, Nadia. Et l'équipe Blue Moose
est prête à partir ailleurs, s'il le faut. Mais attendez, Bogart. L'hôtel Norwood a fait ce que vous êtes. Sans nous, vous n'irez pas. Vous n'irez nulle part. Mais... Salut, Mad. On a fini, Mad, Sweet Home. Non, c'est pas un jeu russe, pas du tout. C'est un artiste... C'est un jeu, en fait, qui se base sur la musique. C'est un artiste qui a fait ça, je pense. Hein. Enfin, c'est un dev spécialiste dans la musique, hein, mais il est incroyable, le jeu. Alors, du coup, ça m'a bien pris. En fait, j'ai perdu du temps. J'ai perdu au moins encore une heure à chercher des objets à la fin du jeu. C'était un peu vicieux, d'ailleurs, la fin du jeu. En tout, on peut considérer que ça m'a pris, je sais pas, 12 heures. 11-12 heures real time, quoi. En ayant de temps en temps un petit indice pour me débloquer, parce qu'il y a vraiment des passages un peu débiles. Il faut revenir vachement en arrière. Still be nowhere. If. Et de toute façon, je serais resté inconnu. Et si ce que je faisais, c'était juste faire des shows dans des caves d'un hôtel. Non, il n'y a qu'une seule fin apparemment. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'une seule fin. Tu pensais que c'était comme Clock Tower? Je crois pas qu'il y ait des fins multiples. Peut-être qu'il y a une fin si... Enfin, moi j'ai eu la bonne fin. Peut-être qu'il y a une mauvaise fin si je sais pas, on se fait... On se fait tuer par le dernier boss, j'en sais rien. Je me rappelle que quand tu up here begging to play, je me rappelle que tu nous suppliais de jouer pendant des années. C'était avant que Blue Moose Energy Drinks m'aide à réaliser mon plein potentiel. Reconnais-le, Nadia. Tu as des membres de ton staff incompétents, une sécurité inexistante, qui est une nourriture intéressante. Et des gens comme toi se montrent et causent de vrais problèmes. Ah, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement dans mon bureau, Bogart. Mais, premièrement, donne-moi une raison que la sécurité ne te sert pas qui ne sert pas à nourriture, quoi. Mon sandwich. Enfin, plutôt un déluge de phalanges, quoi. Parce qu'il m'a dit fist sandwich. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, c'est complètement loufoque, le jeu. Ouais, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as pour moi? Étranger, montre-leur. Bah, j'ai un CD. Un CD de démo? Laisse-moi voir ça. Ça vient de Muriel? Muriel, du coup, c'est elle qui t'a amené ici? J'aurais dû le deviner. C'est vrai que tu sais qu'elle a été bannie d'ici pour toujours. Ah bon, pourquoi? Ça ne vous concerne pas, Dottie. Et garde, est-ce que vous bien virer cet étranger de l'immeuble? Attends, Nadia. Si ce CD vient de Muriel, et il faut que je l'écoute. Ah oui, depuis que, enfin, vu que ça vient de Muriel. Non, y a pas de raison. Allez, come on! C'est dans le... Comment on appelle ça? C'est dans mon intérêt de professionnel de rechercher de nouvelles musiques. Et surtout si c'est Muriel. Allez, Bogart!
tu veux l'écouter. Perds pas ton temps à écouter ces démos. Ouais, vas-y, écoute-le. Viens dans ma chambre, étranger, et on l'écoutera ce CD ensemble. C'est pas une bonne idée. Hein. Écoute, je te ferai un marathon de 48 heures la prochaine le prochain week-end. Ok? Ne dis pas que je t'aurais pas prévenu, DJ Bogart. J'ai des plans pour toi, étranger. Tu me devras un service. Ok. On va reprendre le vieil ascenseur pour aller à ma suite. Ah oui, carrément, il y a un mur. Ok. Ah oui. Mention spéciale pour la jupe style papier peint. Bagarde pense que il a le dessus. En étant sponsorisé par les bières. Hein. Il a fait une poignée de main en tant que contrat avec toi, Nadia. Il peut partir quand il veut. Oh, vraiment? Le 360 deal he made. Donc le deal qu'il a fait avec la marque d'énergie, de boissons énergétiques, c'est moi qui l'écris. Bon bah attends, on va laisser parler, hein. Je m'en fous. Je vais le suivre. On croit en toi. Fais y croire en toi. Attends, on croit en toi. C'est cool que les gens y croient en moi, quoi. Oula. C'est un peu glauque ça. Oula. Spécial ça, comme des goûts. Ce mec, il a des... Je sais pas si c'est des poupées, des automates. Enfin, j'espère que c'est ça. Eh, il y a une photo d'elle. Hein. Ouais, qu'il la connaît bien. Eh, je porte toujours mon déguisement. C'est un peu glauque. Je suis impressionné que tu aies réussi à arriver jusqu'ici, étranger. Il n'y a pas beaucoup des bornés comme ça. Nadia peut dire tout ce qu'elle veut, mais je suis prêt à partir. Le modulo pourrait récupérer cet endroit. Mais en y regardant de plus près, je ne sais pas exactement ce qui m'attire ici. J'ai du mal à me rappeler du temps d'avant la musique. C'est un endroit qui m'attire. Enfin, qui attire une certaine tranche de personnes. Si vous avez de la musique. Ok, vas-y, c'est parti. Je le mets où? C'est parti. Oula. Ah, c'est la tortue de tout à l'heure. Bruce, l'animal de tortue. Oh, c'est pas grave, continuons. Ah, c'est bizarre ça. C'est un truc que j'ai fait insignifiant il y a plusieurs heures.
Oula. Ah. C'était un robot lui aussi. Vous voyez qu'il y a une tête de robot. Ah, c'était le mec de la dernière fois. Qui était revenu. Ah, est-ce que lui ce serait... Non. Faites flipper, monsieur. Un petit hug. Ah, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé rester ici. Ok. Bah c'était cool. J'ai pas tout compris mais c'était cool. Je pense que comme il disait que son père avec qui... Enfin il vivait dans cet hôtel il y a 15 ans. Je commence à comprendre en fait que lui c'était Norwood en fait. L'ancien Norwood. D'accord.